objet caché dans la Pointe du Monde. Alors la Pointe du Monde, c'est la toute première mission du second DLC de ce Doom Eternal. Alors vous avez des objets à trouver classiques, notamment une confrontation. Alors si vous faites les deux confrontations, elles sont au même endroit, ça vous débloque les deux objets, vous avez deux codex, mais vous avez également un objet caché et des vies supplémentaires. On regarde tout ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je suis censé grimper. Ils me font descendre. Ok. Die and retry. Tout ce que j'aime. Allez. Là. Ah, je... ma vie c'est peut-être pas... Oh là, il y a quelqu'un. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'arrive pas trop à savoir où. Je viens d'ici, ok. Dérobé. Ah, je le sens bon, hein. Je sens que j'ai plus crevé qu'autre chose. Ouais, y a pas de passage pour le jeu. Où est le truc dérobé pour choper cette vigne? Souvent d'habitude le plan nous aide, hein, pour déverrouiller ce passage, ok. Je vois pas de faiblesse ou de... Je déteste pas ça de vie comme ça. Bon, en tout cas la suite du jeu est par là, ça c'est sûr. Alors je pense pas que le raccourci que... Secret trouvé. C'est à dire quoi, ça m'a déverrouillé la vie, non? Ah. Alors, on est content, on a trouvé un secret, mais... Alors, après quelques recherches, j'ai enfin trouvé comment déverrouiller cette vie. Là, vous avez le truc que je m'entêtais à vouloir prendre. Et là, ça aurait ouvert autre chose, j'aurais bien été déçu. Voilà pour notre première vie. Ça. Tenue radioactive. Pourquoi? Olé. Quel accueil, hein. Bon, je peux y accéder. Surpris par où il voulait me faire passer. Merde.
on va pouvoir avoir la carte du jeu, c'est ici. Donc après que le dragon nous ait déposé, là il y a eu un gros gunfight. Et après avoir sauté un petit peu, c'est juste là. Là, double vie. Ah, page de codex. Premier bottin qu'on trouve. À choper. Okay. Je l'ai chopé. Par contre, comment je reviens? Ok, c'est marrant ça. Ok. Confrontation amplifiée. Les confrontations amplifiées sont des confrontations comprenant deux vagues à difficulté croissante. Seule la deuxième vague est optionnelle. Venir à bout de la première vague octroie une amélioration du marteau sentinelle. Vaincre la seconde donne un élément cosmétique. J'avoue, je suis plus intéressé par le premier que le deuxième. Nice. Confrontation amplifiée, ok. Marteau sentinelle, oui, les démons touchés par l'écrasement au marteau laissent plus de munitions, ça c'est bien. Slayer de la pointe du monde. Soyons fous. Faut le réactiver, non, le merdier, hein, pour... Avertissement, interagir. Avec le second nid, déclenche une confrontation encore plus difficile réservée au meilleur. Ouais, je suis pas le meilleur. Cette confrontation est optionnelle, mais on va dire octroyée. Ouais. Hop, hop, hop. Bon, on est content, on a gagné un skin. D'accord, et donc ça nous donne ces deux trucs. Alors bon, je vous ai parmi tous les affrontements, mais en fait c'est en passant les deux vagues que vous dégrisez les deux objets trouvés. Bon, ce passage est un peu pénible parce qu'il faut mourir et réessayer un certain nombre de fois. Casse-pied encore. Je reste poli. Ah, voyage rapide. Débloqué. Ah, déjà prendre notre dernier bottin. Codex. Quoi, une belle illustration. Cette fois-ci, c'est comme un espèce de hiéroglyphe. Et j'ai l'impression qu'on a tout chopé. C'était pas facile, hein. Surtout avec ces trois zones là.